ventre maternel de la Vierge Marie, mère de toute vocation et mère des consacrés, mère de l'Église et mère de Dieu. Prédisons ensemble. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En cette nouvelle année, je tiens à vous présenter à tous et à chacun un vœu le meilleur de sainteté, de piété, de santé et de bonheur. Une année de bienfaits remplie des bénédictions accordées par le Seigneur. Et par-dessus tout, une excellente fête de la vie consacrée. Elle, qui est une adhésion et une configuration au mystère du Christ. La vie consacrée, ou la consécration en Dieu, se résume dans la profondeur, l'intensité de notre amour, de notre abandon et de notre confiance en Dieu. Ce qui met en exergue notre intimité avec le Seigneur pour le salut de l'humanité. Notre vie devait rayonner de la vie du Christ, notre modèle, car le monde a besoin de ceux et celles qui témoignent l'Évangile, ceux et celles qui, par la simplicité de leur vie, conduisent le peuple de Dieu aux biens éternels. Parce que, comme le disait le pape François, la vie consacrée renonce aux richesses qui passent pour embrasser celui qui reste, qui n'est autre que le Christ, Jésus. Alors, soyons fiers et heureux de l'appel gratuit que Dieu nous a confié. Un appel reçu, vécu et partagé dans la joie, peu importe les circonstances. Qu'as-tu, tu n'es reçu de différentes communautés, branches, nations. Nous sommes tous ici rassemblés par la grâce de Dieu. De ce fait, cette grâce devient la louange des merveilles de Dieu dans notre existence. Cette existence est faite de donation totale de soi pour un dévouement absolu envers toute personne que nous rencontrons. Un enfant, un adulte, une personne âgée. Dieu ne nous choisit pas que grâce à nos qualités, être plus beau ou belle, plus fort, plus intelligent que notre frère ou sœur. Non. Il nous appelle à le suivre par la miséricorde, comme ces pauvres pêcheurs au bord de lac de Tibériade. C'est ainsi qu'il appelle le prophète Jérémie, dont nous venons d'entendre la première lecture. Avant même qu'il soit conçu, Dieu l'a consacré prophète des nations. Chers frères et sœurs, du latin consacrare, consacré signifie rendre sacré en dédiant à Dieu. Reconnaître comme ayant un caractère sacré. Autrement dit, ce qui est beau et agréable. Peut-on donner aux jeunes de nos jours le désir de se consacrer à Dieu si l'on est soi-même au premier regard triste et écrit dans son statut? Si l'on n'est pas du tout à l'aise dans sa peau? Le beau attire, il attrait, disait Emmanuel Kant. Voilà pourquoi, à l'image de Jérémie, Dieu continue, malgré nos limites, de prendre l'initiative d'appeler ses ouvriers à sa moisson. Oui, cette initiative nous permet à nous, qui sommes déjà dans la bergerie du Seigneur, de renouveler notre « mais voici » prononcé le jour de notre consécration. Aussi, aider les autres à dire au Seigneur, un jour, mais voici, je viens faire ta volonté. Soyons humbles, et déterminé, suivant les pas du bon pasteur.
Enfin, sans passer outre de l'évangile de ce jour, qui poursuit le récit de la première prédication de Jésus à la synagogue de Nazareth, et nous présente la réaction des habitants de Nazareth à cette dite prédication. Posons-nous cette question. Jésus avait-il défié les gains vitaux de son village? Nous pouvons comprendre que la faute de Jésus était d'avoir osé parler avec autorité. Ils étaient même permis de dire « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Il s'est désigné comme le sauveur, celui qui allait délivrer les prisonniers, guérir les malades et apporter la libération aux opprimés. C'est pourquoi il était reçu avec mépris à Nazareth parce qu'il était l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe que la foule ignorait. Les Nazariens demandent une vie sensationnelle, une vie de libertinage où le péché est permis. Ils connaissaient la parenté physique et non spirituelle de Jésus. N'est-ce pas? Là, le fils de Joseph, disait-il. Mais Jésus leur apporte le renouveau, le changement de cœur. Cette pratique religieuse, conforme, confortable et stable des Nazaréens, peut être la nôtre ou notre vécu quotidien. La familiarité avec la messe, l'adoration, le chapelet et tant d'autres, et sans que rien ne bouge au-dedans de nous, pousse Jésus hors de la ville. L'amène jusqu'à un écartement de nos collines d'orgueil pour le précipiter en bas, comme souligne la fin de l'Évangile. Mais heureusement, Dieu y fait son chemin en passant au milieu de tout cela. Frères et sœurs, nous ne pouvons donner au monde ce que nous n'avons. Par contre, nous pouvons lui donner Dieu car nous l'avons. Prions les uns les autres au cours de ces célébrations eucharistiques afin que le Seigneur fasse de nous des consacrés dignes de ce nom, des instruments de joie, de bonheur qui suscitent de nombreuses et saintes vocations. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi.
Amen.